Le prince Harry et Meghan Markle ont décidé de quitter la famille royale britannique le 31 mars 2020. Depuis, le duc de Sussex a été interrogé sur un sujet polémique lié à cette décision. Le prince Harry a quitté la famille royale en 2020. Il a conservé son titre de duc de Sussex après son départ. Le mari de Meghan Markle ne veut pas aborder ce sujet. Depuis plus de 3 ans, le prince Harry et Meghan Markle ont décidé de s'éloigner de la famille royale britannique. Pour cela, ils ont choisi de renoncer à leurs fonctions royales. En conséquence, ils ont perdu l'autorisation d'utiliser leur prédicat d'altesse royale. En revanche, ils ont tous les deux gardé leur titre de duc et duchesse de Sussex, comme l'a rappelé le Mirror. Après la sortie de ses mémoires, le prince Harry avait accordé une interview à Anderson Cooper. Il avait alors été interrogé sur son titre et celui de Meghan Markle. En effet, le journaliste américain lui avait demandé pourquoi il n'y avait pas renoncé. Une décision qui aurait semblé logique alors qu'ils ne cessaient de se plaindre de leur traitement au sein de la famille royale. Une question à laquelle le frère du prince William avait répondu franchement, qu'est-ce que ça changerait? De quoi montrer qu'il ne veut rien savoir à ce sujet. Le prince Harry tenait à ce que ses enfants soient princes et princesses après la mort de la reine Elisabeth II et l'ascension au trône de Charles III, la question des titres des enfants du prince Harry avait été soulevée. En effet, Archie et Lilibet sont devenus éligibles au titre de prince et princesse avec le prédicat d'altesse royale. Un honneur réservé aux petits-enfants du souverain. Pourtant, le roi Charles III a longtemps réfléchi avant de prendre une décision les concernant. De leur côté, le prince Harry et Meghan Markle s'étaient montrés furieux face à la possibilité que leurs enfants n'obtiennent aucun titre. En effet, le duc et la duchesse de Sussex avaient exprimé leurs craintes quant à la sécurité de leurs deux enfants. Finalement, au mois de mars 2023, les titres d'Archie et Lilibet ont été mis à jour sur la page de la famille royale qui établit l'ordre de succession au trône britannique. Les deux enfants sont ainsi devenus princes et princesses de Sussex. Une décision qui a dû satisfaire leurs parents. Just me.